Good morning, allez, Iden et Lotus, aujourd'hui, le Nishmat Avram, Chayin Orber, Ben Fortune, Mazal, Yedida, Batester, Amram, Ben Sulika, Shalom, Ben Chabiba, ainsi que Nurfuat, Myriam, Bat Shalvaya, et Amram, Ben Myriam. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Tmura, Perek Aleph, Mishnah Vav. Ha'ofot ve'ha'menachot enan osin Tmura, Shelo Ne'emar, Ela Biv Hema. Atzibur ve'ashutafim enan osin Tmura, Shenemar lo yamir oto. Yachid ose tmura, lo hatzibur, velo hachutafim osim tmura. Korbenot bedek abayit, ou bien kodche bedek abayit, enan osin tmura. Amar Rabbi Shimon, velo amaser bichlal haya, velama yatsa, lakish elav, ma amaser korban yachid, yatsu korbanot tzibur. Ma amaser korban mizbeach, yatsu korbenot bedek abayit. Mishnah, très simple, peut-être 4-5 alachot, concernant les halakhot de Tmura, le sujet de notre Masechet. D'abord, un petit rappel maintenant. C'est quoi la Tmura? La Tmura, la Torah, elle m'a dit, lorsque tu sanctifies un animal pour le rendre korban, Ola, Shlamim, Mashei, ce qui sera, eh bien, une fois que tu l'as sanctifié, tu dois porter lui, et tu n'as pas le droit de substituer ce korban par un autre. Tmura, les Hamir, c'est substituer. Tu n'as pas le droit de substituer ce korban par un autre, donc de prendre un autre animal et de dire que celui-ci soit la tmura de l'autre, qui vienne à la place de l'autre. Et mieux que ça, si toutefois tu l'as fait, eh bien sache que les deux korbanot sont devenus kadosh, tu auras transgressé un interdit de la Torah, on fera pas à la personne, comme la Mishnah, la première Mishnah du Perek nous l'enseignait. À présent, donc vous avez bien compris le chidouche est que je veux substituer, non seulement je ne substitue pas, mais je rends l'autre kadosh et je suis même frappé par-dessus le marché. Eh bien, la Mishnah m'enseigne, sache que ces halakhot-là ne sont en vigueur qu'avec les mammifères, si on peut dire, les bovins, les ovins, mais pas avec les haofot, vehamenachot. Haofot, c'est les volailles, même si on peut faire des korbanot de volailles. Khatataof, olataof, on amène des taurim, ou bneyona, des tourelles et des pigeons. Eh bien, malgré tout, sache que si tu vas prendre un autre animal, tu vas le substituer, il n'y aura ni interdit, ni tu auras réussi à faire passer la gdusha, tu n'auras rien fait. Idem avec les menachot, les oblations de semoule, ou même de vin, c'est la même chose, ça inclut aussi. Dans tout ça, enan osin tmura. Ils ne sont pas concernés par les lois de tmura, par les lois de substitution, ni c'est substitué, et ni il y aura un interdit à le faire, parce que tu n'auras rien fait. Shelo ne'emar ela bi-vehema, car le pasuk a insisté en me disant behema. Le pasuk qui m'a dit, nous rapporte le partenariat, ve'imamer yamir behema ba-behema. Et s'il substituera un animal par un animal. Donc la Torah elle a bien insisté sur le mot animal pour te dire animal, mammifère, et pas ni volaille, ni des oblations. De même, Hatzibur vashutafim, si un korban, tzibur, un korban public, par exemple, Tamid Shel Shachar, Tamid Shel Ben Arbaim, le korban Tamid, l'holocauste perpétuel qu'on offre tous les jours, donc ça s'appelle c'est un korban qui est public. Eh bien, s'il y a quelqu'un qui va dire, allez, je vais prendre un autre animal à la place, on ne sera pas concerné non plus par les lois de Tmura, ni la Gdusha collera le deuxième, sera transféré, ou ni elle collera le deuxième, ni même on transgressera un interdit. Idem avec des Shutafim. Si on a deux associés qui sont associés pour apporter un korban ensemble, eh bien, Enan Osin Tmura, ils ne seront pas concernés par les lois de Tmura. Chez Nehemar, comme nous dit le verset, Lo Yamir Oto. Tu ne le substitueras pas à lui, mais on te parle. On n'a pas dit Lo Yamiru Oto au pluriel, mais au singulier. Et là, la Mishnah, elle interprète donc que c'était exclusif pour te dire que c'est uniquement le singulier, le particulier, qui sera concerné par les lois. Yachid Ose Tmura. Uniquement le particulier est concerné par les lois de Tmura. Lo Hatzibur, ni un public, Velo Hashutafim Osim Tmura. Et ni les associés ne sont concernés par la loi de Tmura. On continue avec un troisième sujet, ça fait trois plus ou moins, au fait Menachot, après Tzibur Shutafim, maintenant, Korbanot Bedek Abayit. Le Bartenora, si vous regardez le Dibor Matril de Bartenora, il n'y a pas écrit Korbanot Bedek Abayit, il y a marqué Kodche Bedek Abayit, c'est un peu mieux à dire. Ça revient en même, mais malgré tout, histoire d'utiliser les bons termes, c'est un peu plus logique d'utiliser les mots Kodche Bedek Abayit. Il y a le Tosot Yom Tov qui rallonge pour expliquer le problème, pour expliquer un petit peu l'anomalie, comme vous allez le découvrir tout de suite. En tout cas, je préfère rester avec le Bartonoa qui me dit de lire Kodche Bedek Abayit. Donc,
chose sacrée, sanctifiée, en l'honneur du Bedek Abayit, pour la trésorerie du Beth Amikdash, Enan Osin Tmura. Ils ne seront pas concernés par les lois de Tmura. C'est-à-dire, la trésorerie du Beth Amikdash, c'est ce qu'on appelle le Bedek Abayit. Ouais, c'est la trésorerie. Et bien sûr, ils ont besoin d'argent, d'énormément d'argent, pour pouvoir entretenir toute la ville de Jérusalem, tout le Beth Amikdash, toutes sortes de choses. Et puis, donc la Mishnah maintenant vient enseigner, sache que quelqu'un qui va faire un don, je vais faire un don de ce stylo au Bedek Abayit. Après finalement, je regrettais, je vais dire non, je ne veux pas ce stylo, je vais prendre un autre stylo, lui, que lui soit la Tmura de l'autre, que l'un soit la substitution de l'autre. Et comme ça, je vais donner celui-là plutôt au Beth Amikdash. Eh bien, la Mishnah m'enseigne, Korbanot Bedek Abayit, les dons que tu vas faire au Bedek Abayit, Enan Osim Tmura, ils ne seront pas concernés par les lois de Tmura. Il n'y aura rien eu, il n'y aura pas eu de Gdusha qui sera passé sur lui. Je peux transférer la Gdusha de lui à lui, mais si je veux le substituer lui par lui, donc par la Tmura, c'est-à-dire que lui exprimait. Il y a une petite nuance, en théorie c'est presque la même chose, vous allez me dire. Quelle est la différence si tu fais passer la Gdusha de l'un à l'autre, ou bien si tu dis que lui va substituer l'autre? Réellement, il y a quand même une différence. C'est que, un, je considère qu'il y a une entité et l'autre, il y a l'autre entité et que je vais faire passer la Gdusha, et l'autre, c'est que je vais plutôt l'amener lui à la place de l'autre. C'est le principe de la Tmura. En tout cas, la Mishnah m'enseigne, sache que Enan Osin Tmura, tout ce qui concerne la trésorerie du Beth Amikdash, ce n'est pas concerné par les lois de la Tmura. Pour quelle raison? Le Bar Tanoura nous rapporte pour le moment, justement, en me disant, parce que le pasouk qui me dit Gabet Tmura Ktiv Korban, il y a marqué dans le pasouk qui nous parle de la Tmura, Lo Yachalifenu, Velo Yamir Oto, non, c'était le pasouk d'avant. Vim behema asher yakrivu mimena korban lachem. Et si c'est un animal duquel ils l'offriront en l'honneur d'un korban en sacrifice pour Hachem, alors la Mishnah me dit, tout ce qu'il donnera sera kadosh. Après la Mishnah, la Torah me dit, tu ne le remplaceras pas, tu ne le substitueras pas. Donc on fait attention que la Torah a exprimé le mot korban lachem. On parle que de ce qui est un korban. Or, vraisemblablement, comme ce qu'on va mieux préciser juste ensuite, mais pour le moment, on part du principe qu'un korban, c'est un sacrifice, ça ne concerne que les animaux, que les êtres vivants. Après, on va exclure, bien évidemment, comme on a dit, les volailles pour d'autres raisons, parce qu'il y a marqué là-bas Behema Bivema, mais en tout cas, le mot korban, ça ne concerne que ce qui est pour le misbéach, et pas, c'est un korban, d'accord? Tel l'avis de Tanakama. Amar Rabbi Shimon, Rabbi Shimon va venir nous dire, je vous explique d'abord avant de continuer, Rabbi Shimon, lui, il est d'accord avec le principe, c'est la même halakha qu'il va déduire, mais d'ailleurs. Et on expliquera ensuite pourquoi. Le Rabbi Shimon, justement, va nous expliquer que d'où je déduis, moi, cette halakha, que ce que le tu as sanctifié en l'honneur du Beth Akabit, qu'il n'y aura pas là-bas de Ilchot Tumura avec de telles offrandes, d'où je le déduis, parce que Valo Maaser Bichlal Haya, le Maaser Behema, la mitzvah du Maaser Behema, elle était inclue dans la Tmura. Je traduis d'abord, j'explique juste après. Velama Yatsa, dans ce cas-là, pourquoi il est ressorti? Pourquoi la Torah a besoin de me le repréciser une deuxième fois? Le Hakish Elav, pour le juxtaposer, Ma Maaser Korban Yachid, autant que le Maaser est un sacrifice de particulier, Yatsu Korbanot Tzibur, de là tu déduis qu'il faut exclure les Korbanot publics, et de même aussi, Ma Maaser Korban Mizbeach, autant que le Maaser est un Korban Mizbeach, une offrande que l'on fait monter sur le Mizbeach, donc à exclure de là Yatsu Korbenot Bedek Abayit. Exclure de là les offrandes qui seront pour la trésorerie du Beth Amikdash. Et on explique. Ceux qui ont le mérite de lire tous les matins, tous les Korbanot avant la Tfila. Alors là-bas, on finit là-bas la série des Korbanot avec Rabbi Ishmael Omer. Rabbi Ishmael dit que la Torah, elle est... la lecture de la Torah, on déduit d'Alachot par 13 clés. Shloshesre midot à Torah Nidreshet. Par 13 manières, 13 techniques de lecture de texte, en fait, pour pouvoir déduire d'Alachot de la Torah. Et la Torah, là-bas, il explicite Bekzer Hashava, Bekal Vachomer, Bebinanav. Et il y en a un là-bas qui s'appelle Davar Shea Bichlal, Yatsa Minaklal Lelamed, Lo Lelamed Alatsmo Yatsa, et Lelamed Alaklal Kulo Yatsa. Là-bas, il écrit que si tu vois dans la Torah, il y a toutes sortes de règles, comment ça fonctionne. C'est des jeux avec les généralités et les exemples. Si tu vois que dans un endroit, la Torah, elle te donnait une généralité qui implique plein de choses. Et beaucoup plus loin, dans un autre contexte, la Torah, elle va reprendre le même principe, mais en l'appliquant sur un cas particulier. Ça ne s'appelle pas un klal ou prat, parce qu'ils sont éloignés,
mais ça s'appellera davar shaya bichlal, quelque chose qui était inclus dans la généralité. Et la Torah l'a répété ailleurs en précisant là-bas une autre petite halakha. Il est sorti de la généralité pour enseigner, pour t'apprendre une nouvelle halakha. L'olelamed alatsmo yatsa, il n'est pas venu apprendre uniquement pour lui ce petit détail supplémentaire. Et là, l'olelamed alaklal kulo yatsa, mais pour t'apprendre sur toute la généralité. Succinctement, si la Torah me dit une généralité dans Perek Kaf, après Perek Ravbet, la Torah, elle va reprendre le même principe de la mitzvah en précisant un détail. Avec un exemple bien précis. Au début, on parlait de tout le korbanot, après tu vas parler juste du maaser, qui est aussi une forme de korban. Et là-bas, lorsque tu vas parler du maaser, tu vas me préciser encore des petites précisions. Sache que toutes les lois que tu vas préciser pour le maaser, elles seront en vigueur pour tous les korbanot. Parce qu'on avait le maaser qui était inclus initialement dans la première généralité de tous les korbanot. Après, la Torah l'a réexplicité ailleurs, en te précisant des halachot, sache que ces petites halachot, elles ne sont pas juste venues t'apprendre pour le maaser, mais pour toute la règle. Ça, c'est le principe général. Appliqué dans notre sujet, alors on reprend de nouveau Parashat Behar, et là-bas, il y a marqué dans le Pasuk, dans Bechukotai plutôt, Perek Ravzain et Pasuk Tet, alors, Tet et Yud, là-bas, c'est la première mise de la Tmura qui concerne tous les korbanot. Vim behema asherin yakrivu mimena korban Hashem, si c'est un korban, un animal qu'on va offrir de lui, un korban en l'honneur d'Hashem, kol asheritain mimeno l'Hashem yekodesh, lo yachalifenu ve lo yamiroto. La Torah me dit, tu ne le substitueras pas, ni tu le transformes, tu le remplaceras, ni tu le substitueras, ra bera o betov, tov bera o ra betov, comme on a déjà expliqué tout ça. Fin du premier sujet. On était dans le pasuk Tet et Yud. Maintenant, on saute jusqu'à la fin de Bechukotai, l'avant-dernier pasouk. Et là-bas, il y a marqué quoi? Le même principe. Cette fois-ci, on parle de Maaser Behema. Il y a marqué, là, on parle de, donc, on est dans le même Perek, mais on est passé à pasouk Lamed Bet et Lamed Gimel. On parle là-bas, la Misa, elle me donne d'abord, la Torah, elle me précise d'abord la mitzvah du Maaser Bakar au Vatson. De prélever le dixième, sujet qu'on en apprenait à la fin de Maaseret Bechorot, le dernier Perek de Bechorot. Donc, comment prélever le dixième? Qu'il faut prélever le dixième des animaux nouveau-nés de l'année. Tout ce qui passera sous le bâton, Asiri et Kodesh Hashem. Et là, la Torah me précise, Lo yevaker ben tov lara velo yemirenu. Ni tu pourras choisir, lequel le dixième, c'est pas notre sujet, mais il y a marqué ici, velo yemirenu, il ne le substituera pas. C'est-à-dire, une fois que tu as désigné que tu as un maaser, c'est lui le dixième qui est sorti, c'est lui le korban, tu ne pourras pas le substituer, prendre un autre ni plus beau ni plus moche. Veille ma mère Yemirenu, et si toutefois il le substituera, eh bien, Veille Aout, Morato, Yekodesh, Loïgaël, ils seront tous les deux sanctifiés, ils ont une touche à dessus, et ils ne seront pas libérés. On constate donc qu'il y avait le Maaser maintenant, c'est un cas particulier des Korbanot. Pourtant, il était inclus donc, dans le Pasuk Tet et Yud. Ce n'était pas la peine de me répéter ici que je n'avais pas le droit de faire la Tumura avec lui. Pourquoi tu es ressorti me l'enseigner? Pour en fait t'apprendre, sache que juste ce qui ressemblera à un maaser, il sera concerné par les lois de la Tmoura. À déduire par là, ce que le Rabbi Shimon nous dit, ben, c'est simple. Le valo maaser bichlal, il y a le maaser, il était inclus dans la première généralité, du pasuk tet, et yud. Mais la mayatza, pourquoi on a besoin de te le répéter au pasuk lamedbet et lamed gimel? Question. Réponse. Pour t'apprendre les hakish elav, pour le juxtaposer avec le maaser, avec tous les autres korbanot. Pour t'apprendre, ma maaser korban yachid, notons que le maaser est un korban de particulier, yatsu korbanot tzibur, de là tu déduis que les korbanot tzibur, les sacrifices publics, on ne sera pas concerné par la loi de Tmura. Et idem aussi pour ma maaser korban misbeach, autant que le maaser est un sacrifice pour le misbeach, yatsu korbanot bedekabait, on déduit, on exclut de là les offrande sacrifice en l'honneur de la trésorerie du Beth Amikdash. Un dernier petit zoom pour mieux préciser davantage qu'est-ce qui se passe entre Rabbi Shimon et Chachamim. Tachles, concrètement, ils déduisent les mêmes halachot, exactement, que un korban, quelque chose qui a été sanctifié en l'honneur du Beth Kabbayit, eh bien, on ne sera pas concerné par la loi de Tumura. Il faut juste quelque chose qui a été sanctifié pour monter sur une offrande au Misber. Mais pas au Bedekabait. Seulement, ils ne déduisent pas ça du même Pesuk. Selon Tanakama, le premier avis de la Mishnah, c'est simplement le fait que ça ne s'appelle pas un Korban. D'après Rabbi Shimon, il te dit non, appelle-le un Korban si tu veux, parce qu'il considère que Bémet,
tout ce qu'on fait comme offrande, même au, à la trésorerie du Beth-Amikdash, ça, ça s'appelle concrètement un korban. D'ailleurs, il y a une preuve de la parachat Matot, que les Israéliens lisent au Shabbat. Je crois que les Français, c'est quoi la semaine d'après. Il y a là-bas dans la parachat Matot, non plutôt, ouais, dans Matot, exactement. Lorsqu'ils sont partis venger, les ministres sont partis venger la vengeance de Midian, ils ont apporté tout un butin qu'ils ont partagé, selon tout un rituel. Après là-bas, les guerriers, ils ont voulu faire un cadeau à Hachem. Vayavi ou et Korban Hachem, il y a marqué dans le pasouk. Ils vont apporter le Korban Hachem. Charvanezem, Mekoumaz, je ne sais plus, Vanakrev et Korban Hachem, Ishachar Matzak, les Av. Comme ça, le pasouk nous dit qu'ils veulent offrir un Korban Hachem, tout celui qui a trouvé un ustensile d'argent. On constate que quoi? Tu appelles ça un Korban Hachem, un sacrifice Hachem. Et c'est quoi? Un ustensile en or, un ustensile en argent, toutes sortes de bijoux que tu vas en faire cadeau. À qui? À qui tu donnes de l'or? Tu fais monter l'or sur le misbéach et tu la brûles? Tu donnes l'or à la trésorerie du Beth Amikdash. Tu regardes que la Torah a explicitement appelé le mot korban, un sacrifice, pour ce qui revient même à la trésorerie du Beth Amikdash. Donc Rabbi Shimon te dit, ne me dis pas que lorsque la Torah te dit korban l'Hashem, dans le Pasuk Tet Yud, que tu exclus de là-bas le Bedek Abayit, les dons à la trésorerie du Beth Amikdash, parce que la trésorerie du Beth Amikdash ne s'appelle pas un korban. C'est explicite dans la Parashat Matot qu'un don au Beth Amikdash, ça s'appelle aussi un korban. Donc Rabbi Shimon a besoin d'un autre pasouk pour te dire, il te le déduit justement, de, comme ce qu'on a expliqué, d'avoir chez Abichlal, que le maaser il est inclus là-bas, et on l'a répété pour te dire, non, que ce qui ressemble au maaser, et ça concerne ça, donc de là tu déduis pour tous les korbanot que c'est que ce qui est comme un vrai korban, comme le maaser, quelque chose qu'on offre au Mizbéar, quelque chose qu'un particulier offre, qui n'est pas un korban public. Chachamim, eux, répondre, c'est la fin du Barthénora qui nous l'explique. Il faut différencier entre Korban Lachem et Korban Hachem. J'ai pas forcément perçu la subtilité, que ça change. Si tu fais un Korban pour Hachem ou un Korban d'Hachem. Chachamim, en tout cas, on déduit de là qu'un Korban pour Hachem, c'est qu'un sacrifice qu'on offre sur le Mizbéach. Et donc, on n'a jamais vu qu'un don à la trésorerie du Beth Amikdash, ça s'appelle un Korban. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov. C'est là.